Paris réussi, pourrait-on dire, pour la maison de production Choura. Ils étaient des milliers d'Ivoiriens adeptes de la chose musicale Zouglou à avoir afflué ce vendredi 26 juin 2015 à l'espace Chevreuil de Nanterre dans la banlieue parisienne à répondre présent aux 25 ans de vie de ce mouvement musical créé à l'époque par des étudiants tels que Billy Didier, Opoku Nti, Joe Christie, Magadendin et autres, pour dénoncer l'état de la société. Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur des grands événements, y était pour couvrir cette grande messe du Zouglou. En Zouglou, ça réussit toujours. Zouglou, Zouglou, on va chanter ensemble ce soir. Vraiment, papa, il est vieux. Du Zouglou. Le Zouglou même c'est notre médicament. Donc aujourd'hui si le Zouglou a 25 ans, vraiment, c'est pas 25 jours, c'est 25 ans. On est très content. Très content. Et il remercie tout, surtout les deux là, parce que c'est eux, c'est grâce à eux que le Zouglou a 25 ans. Tu sais, quand tu construis un immeuble, il faut que la fondation là soit solide. Si c'est pas solide, quand tu construis, ça tombe. Mais grâce à eux, ils ont rendu ça solide. C'est pour ça aujourd'hui, ça fait 5 ans. Vraiment, je dis merci à tous les deux, à tous les. Et ceux qui sont la nouvelle génération, tout ça. Vraiment, je dis merci. C'est ce que je tendrais de dire tout à l'heure. Et que un de nôtres a eu le courage, quand même, de prendre ses moyens et organiser les 25 ans de Zouglou, sans sponsor. Moi, tout à l'heure, dans mon interview, j'ai dit je tire mon chapeau à Choura. Ouais, il a fait un grand pas. Que même parmi tant d'autres même qui ont assez de sous n'ont jamais fait. Donc il a félicité. Merci. Dieu merci que la salle est remplie. Dieu merci que les gens aiment le Zouglou et ils continueront d'aimer le Zouglou. Choura, merci pour ton soutien. C'est grâce à vous. Et puis ensemble, c'est Dieu. Oh, wow.
Je suis un homme de mon bébé.
Est-ce que le pays
Je suis là,
Je peux encore entrer dans la salle, mais je vois qu'il y a de l'émotion dehors. Et c'est une bonne initiative. Et j'espère que ça va se répéter. Que la fête soit belle. Toujours Carreau de Monaco. Mais c'est une joie. Vu que le Zouglou a 25 ans, et que personne n'a imaginé que le Zouglou allait vieillir de la sorte, moi je pense que c'est une joie. Et je dis merci aux Ivoiriens qui ont eu confiance au Zouglou. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux que leur dire merci. Voilà, nous sommes là pour fêter les 25 ans du Zouglou. Et que vous-même, vous avez vu la salle, hein, tout le monde est là, tout le monde est présent, ça fait plaisir. Merci à vous, les journalistes aussi, merci. Monsieur Serge Bailly, qui est mon ancien de Paris, qui est un grand chef que je respecte beaucoup. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, les chefs de Paris. Donc demain, publiez bien, parce qu'on va faire fort, plus fort que ça. Ah, vraiment, 25 ans, ça fait un quart de siècle et vraiment ça se fête. Et je tenais juste à dire que le Zouglou a encore de l'avenir, encore du coffre. Il y a encore une relève. La relève est indéfinie, perpétuelle. Donc le Zouglou est là pour des siècles et des siècles. À nous là. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui et nous sommes la génération juste après eux. Et nous leur disons merci parce que si aujourd'hui le Zouglou existe, c'est grâce à eux. Parce que c'est à eux que nous avons voulu ressembler et c'est ce qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Merci les vieux pères. On a commencé dans la rue aujourd'hui, nous sommes dans l'un des plus beaux pays du monde. Et je suis content de voir tout ce que j'ai vu, jeunes, très jeunes, d'autres qui sont plus âgés que moi. Et ça me fait beaucoup de bonnes souvenirs. Tout le monde sait que vous avez été l'un de ceux qui ont aidé le Zouglou ici à Paris. À émerger. Quel sentiment vous avez aujourd'hui de voir la fierté. Le Zouglou dans l'une des plus grandes salles de fierté. Paris. La fierté d'abord, et puis l'honneur même de la Côte d'Ivoire, de la jeunesse ivoirienne. C'est ça qui est très important. C'est vrai, on est dans un pays où il y a un peu de difficultés, mais on s'égaye là, on s'amuse. On va oublier quand même 2 ou 3 jours. C'est la joie. Ça, c'est le Zouglou. Nous sommes le Zouglou. Et le Zouglou, ça ne meurt jamais. 25 ans du Zouglou, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté personnelle dans la mesure où c'est vrai qu'on a tous vécu
On a tous grandi dans l'émergence du Zouglou dans les années 90. Mais moi, c'est une fierté personnelle parce que lorsque nous sommes arrivés en France, le Zouglou était un mouvement qui n'existait pas ici. Nous avons eu la chance de travailler à l'époque Africa numéro 1. À cette époque-là, il n'y avait pas de diffusion de cassettes et on avait envie de faire connaître la musique Zouglou et on prenait notre temps de nuit pour copier les cassettes sur des bandes pour pouvoir les diffuser, pour faire connaître le Zouglou. Et grâce à un ami, Ephraim Luko, aujourd'hui qui est directeur de la chaîne Sud Première, nous avons lancé la première nuit du Zouglou. Dieu seul sait comment ça a été difficile pour nous. Nous avons aujourd'hui beaucoup de pères du Zouglou qui se disent pères du Zouglou, nous ont empêché de diffuser le Zouglou dans leur boîte de nuit ici parce que pour eux c'était une musique ringarde, une musique où les gens chantaient faux, il n'y avait pas de vrais arrangements. Mais nous avons persisté, nous avons fait cette première nuit du Zouglou et aujourd'hui nous sommes fiers que le Zouglou a 25 ans. C'est une fierté personnelle parce que je me dis que peut-être que si je n'avais pas osé, le Zouglou ne serait pas là. Voilà, donc c'est une fierté personnelle. Moi, c'est Nani Gautre Pico, Béikao en 4-0-4. Donc, on m'appelle l'enfant Boré Boré. C'est exact, on est au Zouglou. 25 ans de Zouglou. On se fait ça, on répond. Salut, je m'appelle Futune le Créateur. J'aimerais dire merci à tous ceux qui font beaucoup pour le Zouglou. Déjà le Zouglou à 25 ans, c'est pas facile. On a eu des grands frères, des petits frères qui ne font que donner un coup de main pour que le Zouglou arrive loin. Merci à tout le monde, merci pour tout ce que vous faites pour le Zouglou. Merci beaucoup le Zouglou, ça réussit toujours. Merci. Nangounou Poulain, je fais du tradit moderne. Aujourd'hui c'est 25 ans de Zouglou, je suis venu soutenir les jeunes frères. C'est normal, c'est la même musique, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Ma présence c'est que, d'abord je suis le président des artistes de Grand Ouest. Et tous les chanteurs de Zouglou sont mes jeunes frères, je suis venu les soutenir parce qu'il faut ça. Merci. Bah, très heureux dans un premier temps de retrouver tous les compagnons, les salopards, tu vois, pour revivre certains moments. Voilà. Et puis surtout le public, parce que tout l'honneur revient au public qui nous a soutenus depuis 25 ans maintenant et ce soir ils l'ont prouvé, ils sont là. Donc c'est un plaisir d'avoir accompli quelque chose culturellement et puis laisser la charge aux futures générations de perpétuer ce mouvement. Donc très heureux d'avoir participé à ces 25 ans du Zouglou et puis on espère que ça va continuer. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, à Yamé, actrice, comédienne de la grande série à succès Ma Famille. Zouglou quoi? Non, je suis trop contente, j'ai trop dansé. Voilà, je suis contente d'avoir revu tout le monde, Aboutou Rouge, les salopards, les surchocs. En fait, tout le monde est là, Rionné, Siro, Ella Meleke. La liste est très longue. En fait, tout le monde pensait qu'ils ne seraient pas là. Mais Dieu merci, ils sont arrivés. On a fait la fête, c'est presque fini. J'ai dansé. Voilà, même. Voilà. Les 5 ans de Zouglou. C'est beaucoup. Salut, en tant que le président du comité d'organisation. Je constate que j'estime que la fête a été belle. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé. Je remercie Shura Production et Black Ivoire d'avoir organisé ça. Et la fête, tous les artistes étaient présents. Le monde a répondu massivement. Vous avez vu, les artistes sont en train d'assurer. Et grâce à Shura Production, on a fait une merveilleuse fête. Et l'année prochaine, on compte revivre les 26 ans du Zouglou. Et que Dieu veille sur vous. Et que nous sommes partants pour les 26 ans du Zouglou. Apprêtez-vous, ce sera plus grave que cette fois-ci. Ciao, ciao. Je pense que vous devinez. Nous étions l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament avec les lieux de Siro, les tout ce que vous voyez. Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a le Messie. Et le Messie du Zouglou, à partir d'aujourd'hui, qui a été, qui sera et qui sera demain, c'est Didier Bilé. Didier Bilé, je vous demande de l'applaudir très très fort. Ce monsieur a révolutionné la culture ivoirienne, a révolutionné la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous sommes cachés? Parce que nous avons créé quelque chose. Quand tu mets ton enfant au monde, tu le confies à un tuteur. Et le tuteur, c'est Didier Bilé. Et c'est tous ceux qui sont arrivés. Merci Didier. Bisous à toi. Merci à vous. Voilà, il est chaud.
La pièce est belle. Elle est belle. On y rencontre beaucoup de monde. Le sommet est vivant. On en fout. Je suis bien sapé. Je dis qu'on sort sans problème. Les hommes, tout dans la salle. On est beau vieux. Et au vieux, ça va. Ça va. Ça va. Ici, il y a une idée. La vie est vie. On a beau vieux. On a beau vieux. Si c'est vrai. Thank you.